Hop, ça tourne. Bon appétit, toi. Non, je l'ai pas vraiment. C'est pas dans le temps qu'on me chauffe par ce jeune, quoi. C'est mieux à quelle sorte de vanne? Pour dire qu'un mec est con. Toi, t'as arrêté l'école en même temps que Lucho est parti de l'OM. Elle est pas mal, ça. Il faut que la personne ait la rêve du foot. Tu t'es trompé de salle, tu es direct allé au réfectoire. Ou toi, à l'école, tu es allé pour la cantine. Ça marche chez les gros. Ouais. C'est vrai. Alors, si les mecs, ça a pas de sens. Tu peux ne pas comprendre la vanne. Aïe, aïe, aïe. Oh allez, il a pas marqué comme ça. Le gardien, oui, il avait pas de responsabilité de manger. T'as fait quoi? Il s'est mangé, il m'a fait un stop avec sa main, du coup ça a fait... Tu l'as mis par terre? Non, t'as fait... Tu vois, c'est une sorte de mille pas de géant qui venait à manger. Par contre, je le sais. Tout à l'heure, on a vu une araignée énorme dehors encore. Ah, mais je croyais que tu racontais aux gens ce que t'avais. Non, il est dit. Non. Dehors. Mais que tu parlais. Mais que tu racontais aux abonnés. Et si on faisait un Méliléo? De ouf. Bah, y'a Michel Drucker dans la salle de jeu. C'est faux. Il faut dire un nom de footballeur qui ressemble au nom en faisant des jeux de mots sur son nom de famille et son prénom. Putain, t'as hyper bien expliqué, ouais. Mais c'est pas forcément des joueurs de foot, non? Exemple avec Johnny Depp. Mais c'est un nouveau jeu. Tu fais un exemple avec Johnny Depp. Là, on a fait une extension avec un acteur. Johnny Depp, fais un exemple. Attention. Jimmy, homo. John, bah si. Bah si, mais non, mais si. Oh non. T'étais sur un abonnement, hein. Mais si, pour Messi? Non. Bah non. Bah si, c'était bah si. Oui, du coup l'inverse, c'est l'inverse. Bah non. Mais non. Presque. Mignon. John Bassi. Mike Mignon. Oh. Oh quoi? Non, oh quoi? Tu valides le Mignon là? Mais si, mais oui. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, en fait, si, je connaissais Mignon. Pas le joueur, mais. Ah non, t'abuses, là, va pas rentrer. Bah, Mignon, tu voulais faire quoi? Mignon, c'était pas mal. J'aurais pas choisi. J'étais en train de. Le Mike, j'ai beaucoup aimé pour John. Parce qu'il est nul de com, lui. Mohamed Strass. Payet, Dimitri. Ah, mais Mohamed, j'étais pas sûr, frère. Non, Mohamed, Dimitri, gros, y'a rien à voir. Ok, c'est. Tu peux dire un prénom russe? Dimitri. Ouais. C'est que dans ma tête, j'ai. Igor Strass. Igor Strass, c'est comment rien. Rien. Mais comment on va, Payet? Il vient rien du tout. Vladimir Strass, ça aurait été plus sympa en fait. Vladimir Strass, c'était énorme. Ouais. Parce qu'on l'a refait pour le montage. Vladimir Strass. Vladimir, j'ai pas. Te faire. T'es vraiment dur. Je me faire stop on pop. Putain, j'arrive pas à parler. François Noir. Ben White, Benjamin White. Non, pas du tout. C'est ça? Non. Laurent Blanc. C'est ça? Ouais. Je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez à quoi ça sert, ça? Non. C'est pour décapsuler et. C'est plus simple de tourner, du coup. Ok. Ah ouais, super. Pour les enfants. Ça marche bien. Pour les trucs de merde. Pour les enfants, pour Max, quoi. Quel légume raconte des mensonges? Une salade. Non. Tu racontes des salades? Oui, c'est une salade. Non, la salade, c'est ce qu'on raconte. C'est pas celui qui. Il marque un point, hein. Attends, quelle heure? Oui, mes frères, c'est pompeau, gros. Bon amas. Il se couche vite, hein. Aubergine. Pour quelle raison? Et non. Un légume, c'est plus une épice. On l'utilise comme une épice. Tu racontes, mais ça va être. Attends, un légume. Et c'est connu. Attends. Cherchez plus le légume que le jeu de mots parce qu'il est vraiment dur. Le jeu de mots est dur? Ouais. Énumère les légumes que tu connais, toi tu connais pas les légumes. C'est pas un légume du que tu trouves forcément dans le bac des légumes du supermarché, genre. Ah, c'est un légume de la haute. Non. J'aurais un navet. Oh, tu racontes des navets, frère. Là, c'est même dire que là, ça va. Tu vois, il perd un point, là, du coup. Ah, merde. On retourne à combien? 3000 euros? Oh là là. Attends. Oh, les gars. Attends, mais. C'est une épice! C'est un légume. Frère, c'est du safran? Ça relève. Curry. Le basilic. Sel. Continue sel, avec. Non. Curry et curcuma.
Oui, ça non, pas trop ça. C'est un truc qui relève le goût. Fenouil. Oui, par contre. Ça, c'est des herbes. Attends. Il a raison. Pas dit... Propre. Non, pourquoi j'y pensais, mais... Curry. Qui ah, relève putain. Le gros sel de Camargue. Attends, j'ai vraiment pas envie que tu nous le dises. Tomate. C'est un fruit gros. Oui. Alors ça, c'est un bar 4, là. On tient un tableau de score de ceux qui perdent. Non, vraiment, ils sont cons. Voilà, moins 4, 3000-0-0. Là, je gagne 10 points parce que j'ai tenu. Qui c'est 3000? Non, on pose des questions. C'est pas toi qui fais la blague. Qui? Tu marques un point. Ok, bah, t'avais 1-0-1, donc 1, moins 4, 0-0. Ok. Quoi? Pourquoi moins 4? Bah, moins 4, la ouais. Tomate, gros. Ouais, que tu et on est gentil encore. Parce que tu te l'as fait voler sur le scout toutes les semaines, j'ai rien fait. J'ai pas le droit de perdre. T'as peur de te faire hacker et tu mets le truc sur ton. Oh non, moi tu te sais devant ton. T'appelles ça comment? Une gommette. Une tomate? Une gommette. Plus un. Attends, continuons le jeu. Là, il a plus un là. Ça marche à tout. Cherche le légume là. Putain, c'est lui qui demande le tableau de score et après il fait chier. C'est lui là. Non, mais ton, déjà ton légume, déjà moins un pour pompe-pot. Tu dis non, mais tu dis connu, les gars. Si c'est un légume, après tu dis que c'est une. Mais parce que vous allez pas trouver un légume, mais cherchez légume si vous voulez, vous allez pas trouver. Du céleri. Non. C'est un sale. T'es un sale menteur, t'es un céleri. Est-ce que le mot en français, on le. Trouver un. Le mot en français, on l'utilise ou pas? Oui. Pour dire menteur. C'est le début de ce mot là. Ment. Mais non. Ment. La menthe. Non. Et rajouter un. Piment. Après, oui. Pimenteur, c'est un piment parce qu'il ment. Il y a écrit ça entre parenthèses. Le piment entre parenthèses parce qu'il ment. Parce qu'il ment. Écrit. Oui, parce que si tu vis, c'est que tu bégayes comme moi, ça fait ouais, pas. J'ai pété ça, ça sent l'œuf, gros. Ah bah toi qui a la gueule. Ouais, ça sent l'œuf. Ah mais je sais pas, mais sans. Vous voulez sentir mais non, mais gros, c'est même pas des blagues. Quel est le plat préféré des souris? Le fromage. Les chats? Ah non, c'est pas vrai. Regarde, là, honnêtement, j'ai pas compris. Introuvable? C'est souris? C'est un jeu de mots avec souris? Est-ce que c'est un. Avec souris? Avec la souris? Ça m'en reste, je sais pas, vous avez pas le droit, mais moi, c'est le pistil. Ça pue, c'est vrai, mec. Ah, mais c'est le pécolant, c'est le piment. Mais on est qu'à contact. Ok, comment faire aboyer un chat? Attends, on n'a pas répondu à vous. T'es sérieux? Mais les gars, vous allez jamais trouver ça. C'était quoi? Bah, nous. Référence cinématographique. Ratatouille? Ouais. C'est nul en vrai. Bon, franchement. Comment c'est nul? Comment bah, putain, ton cerveau ça va à 2000 ou non? Sauf que c'est un rat. Plus 5. Ouais. Bah, c'est ce que je m'en demandais pendant que je me demandais, mais je crois pas. Et oui, il y a le rat des villes et il y a le rat des champs, son pote le rat des champs là. T'as plus 5. Monsieur, on vient. On est apparemment on est qu'à contact avec Jules. Lui il vient m'apprendre ça. Apparemment on est qu'à contact avec Jules. Mais nous on est vaccinés. Mais moi je suis vacciné. Mais... Oh, mais vous êtes pas qu'à contact, c'est bon. Après, on est vacciné. Hier on était au Sport Beach et il y a qui est. Salut. Qui était là, ça va? Tranquille et toi? C'est lui Jules. Hein. Non, là, mais en vrai, moi je lui ai juste fait la bise et j'ai parlé. J'ai parlé deux minutes avec lui. Non, mais du coup, tu peux prendre dans le tiroir, il y en a deux des trucs pour les dosettes. Oh, pour au bar du coin. Journal café à 8h. Pour regarder les critiques. Sur cette bataille-là. En train de. Ah, petit carnet, je fais toutes mes blagues de pire chien. Ouais, c'est ça. T'es là, tu l'as mis comme le poste en Rosso, Hugo. Elle était bonne, cette. Veste au Rosso, tu l'as mis comme le Andreas au Nutella. Tu l'as trop, c'est jeune. Mais en vrai, vous avez mis les pâtes parce que j'ai pas eu le goût, moi. Allez. Du coup, attends, on n'a pas avoir répondu, le chaton. Ouais. Vas-y, dis-le. Aide-nous un peu. C'est une phrase, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une action à faire. On fait ça et du coup, il aboie. Il aboie le lait. On lui met une gamelle de lait. C'est exactement la phrase. Et du coup, il aboie. En plus, il a celui du lait dans une assiette. Une assiette. Attends, il me tutoie là. Oui, vers celui, frère. Vers du lait dans une assiette et du coup, il aboie. Non, mais il boit l'assiette. putain. Oh putain. Il vient de mettre un petit pompon, boss.
blague, hein. Comment? J'ai serré, gros. Il y a une sonnette? Ouais. C'est hyper mal foutu. Bah non. Pourquoi? Bah c'est clairement pas une entrée. Si le mec est là dans ton jardin, faut s'inquiéter. Bah, t'as jamais fait de pierre chien, toi? Ouais. Pourquoi t'es à la table? Ouais, je veux pas jouer. C'est impossible que tu sortes de la table tant que t'as pas fait un pierre chien. Tant que t'as pas déchiré ton t-shirt. T'as clairement deux tanks qui te bloquent les entrées. On peut, c'est forcément deux mots, il peut y avoir trois mots. Bah, c'est à toi de dire un truc. François qui parle. Fabien T. Non, c'est putain, ça aurait été bien, mais je mets la part, ouais. Je t'avouerais que pour le kippa, c'est un peu. Attends, tu vois, c'est un peu comme ton truc. T'as... Non, c'est un peu comme Ménian tout à l'heure. Ah. C'est en. Lui, un truc comme ça. Blaise Matuidi. Non. Arrête, mais c'est rien à voir. Matuidi. Mais Matuidi, que Matuidi. Non. Ouais. Sinon, j'aurais dit. C'est beaucoup mieux que Fabien T, frère. Mais c'est pas Fabien T. C'est quoi Fabien T? Oui, mais c'est Flavien d'ailleurs. Flavien, tu m'as dit, tu m'as acheté la vite pour ça. Ouais, mais c'est pas ça. Blaise Matuidi, je croyais que t'allais me traiter de génie, gros. Et j'attendais vraiment à ce qu'ils disent oui. Déjà, quand je te dis que t'es un génie, je te traite pas. Ou si le parleur, tu vois. Un mec qui parle, quoi. Un parleur. Guillaume Sourd. Un mec qui parle. Un parleur, mais c'est nul, gros. Je trouve des trucs plus précis, genre. Oh, et les gars, comment dire un mec qui parle en français? Pas beaucoup. Jesse Moulin? Ah, c'est vrai que Moulin parle, genre. Jesse, j'aurais pas dit François. Attends. Un mec qui parle beaucoup, tu as là beaucoup le son? C'est quel joueur, lui? Un bavard? Benjamin Pavard? Oh, pas mal. Putain! Qui parle, ouais. François, il veut pas se la fermer. Benjamin Pavard. Ah, Jules, il est pas dedans, frère, ça me dégoûte. Mais va dormir, putain. Oh Benjamin, ferme-la! Ah merde, c'est Benjamin, ça marche pas. Attends. Guillaume, ferme-la! François, le foot c'était mieux avant. Ben, Benjamin Pavard, frère. Parce qu'il n'y avait pas l'avoir. Oh, ouais! Putain, pas mal. J'aurais dit François sans technologie. Franchement, ça c'est un pire chien. Compliqué, intellectuel. C'est avec des masterclass. Non, mais le foot c'était. C'est légende du jeu, ça. Non, le foot c'était mieux avant, c'est. Non, il aurait fallu dire sans technologie. C'est entre légendes, ça. On avait dit quoi sur Kylian Mbappé? Putain, j'en cherchais un là. Gros, j'en cherchais un. Kylian Mbappé. Putain, j'allais dire genre Dorian ou un truc comme ça aussi. Tiens. Et après, quoi? Rien, Kylian, Brandon. Steven Mandanda, c'était quoi? Non, c'est Steven Jababa. Kéan, trop bronzé. Trop bronzé. Kéan? Kéan. C'est un prénom, Kéan? Je crois, ouais. C'est plus pour la sonorité alors, non? Oui. Cramé. Ah, c'est pas mal en vrai. Crameur. Non, il connaît pas Crameur, je pense. Trop cuit. Mal cuit, Kevin mal cuit. Il est gros, il oh, est... ça aurait été pas mal. Ça aurait pu marcher. Ah, mais c'est ça. Ok, pardon. Kéan, Kevin. Ah, Kevin. Mais gros, Kéan, Kéan, trop bronzé, c'est tellement ça. Ouais, non, parce que c'est mal cuit, du coup. Ah, mal. Bah, c'est bleu alors. Ouais, pas mal. Pour moi, c'est bleu. Kéan, ouais. Ou après, sinon, c'est, après, c'est subjectif. Kéan bleu, ça aurait été impossible. Ça, c'est masterclass aussi. Ouais. Tu vois, Conrad de la Fuente. Non. Oh, la Fuente de la frigo, de chaud, trop bronzé. Pense, si tu vois trop soleil, à un moment, si se passe un truc, non. Cancer. Au niveau de ta peau. Cancer? Non. Au niveau de ta peau. Si c'est visible. Champignon. Non, des taches. Kazan, c'est quoi ce que t'as, Jules? Tu pelles? Yann Pelé. Oh. Oh. Kéan. C'est trop loin. Kéan, Yoann. Dylan, t'aurais dû dire Dylan. Ouais, mais Dylan, j'avais peur que ce soit genre. Vous partiez sur des trucs genre Kylian ou Kevin. Non, mais frère, quand tu dis Kéan, trop bronzé, on va pas s'attarder sur le Kéan, on va s'attarder sur trop bronzé, frère. Pelé. Moi, j'aurais. Pelé, tu dis un. Un fruit? Non. Genre, ouais, mais un fruit, je crois. On se le pèle. Ouais, mais c'est dur, hein. Kéan, je me les caille. Ah, il y a des trucs trop dans la forme.